Kevin Zampa me propose un octogone. Évidemment que j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la condition, c'est que le gagnant, donc par exemple, je gagne, tu me dois 75 000 euros avec huissier, contrat, et si je perds, je te les dois. Par contre, c'est pas genre oui, non. C'est l'argent doit être sur un compte en dépôt. C'est-à-dire que moi, je dois les mettre sur un le compte et toi, tu dois les mettre sur le compte. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le gagnant remportera tout le dépôt. C'est comme ça que ça se passe. Si tu acceptes, ok, j'appelle mon avocat, on lance les contrats, il n'y a pas de problème. Répondu en ripostant, Ilan, tu n'as pas d'honneur. Mais j'ai de l'honneur vu que j'accepte. Simplement, je ne vais pas me battre gratuitement. Frérot, tu m'as vu. Je ne vais pas me battre gratuitement. Donc, tu as vu les conditions dans ma story, je les ai expliquées. J'ai tout expliqué en détail. Donc, tu regardes, tu prends le temps, tu écoutes, tu regardes. Et si tu acceptes, tu me dis ok, j'accepte. Et je m'occupe des contrats. 75 000 euros en dépôt sur un compte. Donc, c'est pas genre on fait un coup de poker. C'est moi, j'ai dit le montant que je pouvais payer pour un jeu, un délire comme ça. Donc voilà. Si toi, tu veux suivre, tu suis. Si tu veux pas suivre, tu suis pas. Par contre, si tu suis, faut assumer, faut payer. Qu'est-ce que tu parles, frérot? Tu crois que Conor McGregor il va se battre gratuitement? Tu crois que même Logan Paul il a organisé un combat? Frère, il a pris 3-4 millions. Qu'est-ce que tu jactes si c'est pas plus? Frérot, c'est normal. Tu crois que je vais aller abîmer mon si beau visage gratuitement? Mais évidemment que non. Évidemment que non. Prends l'oseille, frère. Donc si tu peux payer, on se bat. Si tu peux pas payer, on se bat pas. Toi, mange pas dans la même cour, frère. Les amis, la violence ne résout rien du tout. Moi, je suis contre. Je dis la vérité, je suis quelqu'un qui est dans la ridola, dans le show et j'aime pas la violence. Mais le problème, c'est que là, il me propose quelque chose, donc je l'accepte en tant que sport. Donc en tant que sport, je l'accepte. Donc c'est comme un combat de boxe que tu regardes à la télé, ça j'accepte, il n'y a aucun problème. Dans certaines conditions et professionnellement parlant. Maintenant, moi en réalité, je suis contre la violence. Mais comme Kevin, il a un problème d'ego et une frustration intérieure en lui, il le ressort par de la violence. Donc, bah, j'accepte parce que j'ai pas peur de lui. Il aurait. Franchement, je vous dis la vérité, je suis pas un bagarreur, je suis pas le mec le plus costaud de la terre, mais il aurait dû se renseigner sur qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais un petit peu plus jeune. Renseigne-toi, frérot. Je suis pas allé juste un peu à la salle, quelques produits ont gonflé un peu, frère. Il y a un peu de sport derrière moi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas sous mes airs de rigolo que. Pourquoi?